Ah tiens, camarade, j'ai pensé à toi la semaine dernière. Et ce que j'ai à te dire va te plaire. C'est bien toi qui as un petit frère un peu stressé sur son avenir scolaire et qui sait pas ce qu'il veut faire. Tu m'avais expliqué qu'il s'y retrouvait pas dans son école actuelle, tu te souviens? Eh ben voilà, je suis pas fou. Eh ben figure-toi que j'ai peut-être trouvé ce qu'il lui faut. J'ai discuté avec ma petite cousine qui a l'âge de ton frangin, jusque-là tu me suis, et elle est en formation depuis un an dans une école du réseau Don Bosco. Les écoles Don Bosco, elles proposent un enseignement technique de qualité dans les villes de Tournai, Huy, Verviers, Liège, Woluwe Saint-Pierre et Remouchamps. Et en plus de ça, elles proposent un enseignement général à Saint-Jean-Bermans, à Liège, à Woluwe Saint-Lambert et à Remouchamps. Ah ben oui, camarade, Don Bosco, c'est pas que de la technique. Alors je sais ce que tu vas me dire, hein. Tu vas me dire que ces écoles sont mal perçues par les jeunes, par les parents, par les autres écoles. Mais si tu t'y intéresses de plus près, tu réalises qu'elles sont avant tout victimes de nombreux clichés et que la réalité est tout autre. Ce sont avant tout des lieux de partage, de rencontres, de chaleur humaine, le tout enveloppé par un climat familial. D'autant plus qu'à Liège et oui, elles organisent des CFA. Hein? Oui, je savais que t'allais faire cette tête-là. Les CFA, en fait, ce sont des écoles qui proposent à leurs élèves une alternance de 2 jours à l'école et 3 jours chez le patron ou la patronne. Ben bien sûr que c'est la classe et ça te permet de jongler entre les cours et la réalité du terrain. Mais attends, c'est pas tout. Les CFA ne sont pas seulement des centres de formation. Ils sont considérés comme de véritables écoles puisqu'ils te permettent d'obtenir ta qualification mais également ton CESS. Mais bien sûr que c'est trop bien puisqu'en plus de tes diplômes, tu peux faire une 7e gestion et directement t'insérer sur le marché de l'emploi. Mais non, imbécile heureux, je n'oblige pas ton petit frère à s'inscrire au CFA de Liège ou de Huy. Il peut s'inscrire dans une école du réseau Don Bosco. Les écoles du réseau Don Bosco t'offrent beaucoup plus de possibilités à la fin de ton cursus. Elles te permettent de plonger dans le marché de l'emploi ou de poursuivre des études supérieures et même universitaires. Des couillons, si je prends le temps de t'expliquer tout ça, c'est que je me suis un peu informé avant quand même, non? Et soit dit en passant, sache que l'école de Verviers est un centre de formation spécifique qui prépare les jeunes aux concours techniques internationaux. Oui, monsieur. Et t'imagines si ton petit frère pouvait y participer et découvrir les métiers du bois via du matériel de pointe? Mais qu'est-ce que tu crois? Don Bosco, c'est un réseau réputé à l'international et ce depuis 200 ans. Hein. Et je me souviens même qu'à Tournai et Remouchamps, il y a des internats mixtes séparés, parce qu'il faut pas déconner, mais mixtes. Bref, je me suis dit que c'était parfait pour ton petit frère qui a besoin d'être reconnu et valorisé pour ce qu'il est. Donc dis à tes parents de s'informer. Et tu peux déjà retenir la maxime des écoles Don Bosco: sans affection, pas de confiance, et sans confiance, pas d'éducation. C'est beau, hein? C'est pas de moi, dommage, mais c'est beau.